Salut les filles, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage assez intense, j'ai envie de dire encore hein, parce que c'est le genre de make-up que je fais assez souvent, j'ai l'impression. Et je l'ai fait avec cette petite merveille de chez Makeup Geek en collaboration avec Mani Makeup Artist. Donc c'est un youtubeur américain qui a fait donc cette petite palette. Et la voici, elle est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai craqué. En fait, j'ai craqué surtout sur cette teinte duochrome du coup que j'ai utilisée pour ce make-up. Et je l'adore. Je vais vous swatcher les trois fards qui sont là, ici, pour un exemple. Et je vais le mettre sur la main. Et voilà. Vous voyez comme ils sont ultra pigmentés. Je les adore. C'est vraiment de la bombe, j'ai adoré travailler ces fards, enfin, je les ai trouvés faciles à travailler plus que ceux que j'ai d'habitude. Et c'est de la bombe, je pense que je vais refaire des commandes Makeup Geek parce que c'est pas très très cher. J'ai connu pire. Et pour l'instant je suis pas du tout déçue de ces fards là, c'était la première fois que je commandais sur Makeup Geek. Donc si ce maquillage vous plaît, ben, restez ici, le tuto arrive tout de suite. Donc on commence comme d'habitude par appliquer sa base à paupières. Donc ici moi c'est le Soft Ochre de chez MAC, le Pink Spot. Donc ben, vous le voyez de toute façon sur tous mes tutos. C'est ma base préférée, je l'adore. Donc je l'applique avec un petit pinceau plus fin. Voilà, on n'oublie pas le ratil qu'on va appliquer évidemment du fard. On prend du coup sa petite palette et le fard Peach and Cream. Donc c'est un fard... assez neutre quand même, un peu couleur peau par rapport à, enfin à moi, à ma carnation naturelle, c'est un peu ouais, par couleur peau pour moi, mais sinon il y a des petits sous-tons orangés. Je le mets en creux de paupière et ensuite pour intensifier ce creux de paupière, je vais prendre la teinte Sora, donc là qui est beaucoup plus orangée comme vous pouvez le voir, et je vais la mettre aussi dans le creux de ma paupière. Ensuite je reprends mon pinceau estompeur du début et j'estompe un peu les deux couleurs entre elles. Je vais venir en prendre ensuite le Master Smoky de chez Je mets Maybelline. Ça fait un petit moment que je l'ai ce crayon là, vous voyez il est bien utilisé. Donc c'est un crayon noir assez large, enfin l'embout est assez large, c'est pas un crayon fin. Je viens appliquer un peu de matière et ensuite avec l'embout mousse qui est de l'autre côté, je viens estomper en fait ce fard noir. Pareil, du coup, c'est une texture un peu grasse. Ça va venir intensifier la couleur que je vais mettre ensuite. Ensuite, du coup, on prend cette belle couleur duochrome. Des marrons et des turquoises mélangés qui s'appelle Insomnia, et qui est juste, moi je l'adore, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore ce genre de teinte, elle est juste trop belle. Donc on l'applique sur toute sa paupière mobile, là où on a appliqué le noir, et on va bien l'estomper dans le, enfin la dégrader dans le creux de paupière avec les, en mélangeant avec les fards que j'ai mis précédemment. Donc je mets bien mon pinceau plat jusque dans le creux de paupière. Je pense que vous voyez bien comment je fais. Ensuite je prends ce marron très foncé qui s'appelle Aphrodite. Et je viens le placer en fait en forme de V avec un petit pinceau crayon estompeur. Voilà, juste dans le, en V sur le coin externe de mon œil et dans le creux de paupière. Ensuite je reprends un pinceau estompeur et j'estompe le tout quand même pour que toutes les couleurs soient fondues entre elles. Pour le ratil c'est simple, je reprends les mêmes couleurs que qu'au départ pour faire la même chose, ben, en ratil tout simplement. Il n'y a que la couleur Insomnia que je ne vais pas utiliser en ratil. We'll be right back.
On n'oublie surtout pas d'estomper pour avoir un résultat qui est tout est fini. On met bien sûr son mascara et moi je vais faire une sexe comme d'habitude. J'ai envie. Et dans la muqueuse, j'ai impliqué aussi un crayon de chez Too Faced, qui est un crayon noir, un basique, que j'aime beaucoup. Il est gras comme j'aime pour la muqueuse, je trouve ça super. Et pour le coin interne, je viens prendre la couleur la plus claire de la palette, qui s'appelle Artemis. Donc c'est un blanc cassé avec des iris dorés, et voilà. Donc voilà, ce make-up est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.